Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur FIFA 19 en tant que joueur. Allez, on continue notre let's play. Élection du joueur du mois. Alors, Mbappé, Cavani, Falcao ou moi. J'espère que ça sera moi. Donc, Borussia Dortmund, sachant qu'on a 3 points. Qu'on a détruit l'Atlético, je crois que c'est ça. Ou alors c'est le Cercle de Bruges. Oui, ça doit être nous qui avons détruit l'Atlético. Ben c'est parti. Oh, il y a Bailly. Ah, c'est vrai qu'ils ont acheté Bailly, le joueur de Manchester United. Je trouve que c'est un très très bon achat ce qu'ils ont fait. Acheter ce joueur, c'est pas mal. Franchement, c'est pas décevant. Ah oui. Ah oui. Allez. Salut à tous, salut Pierre. Salut Hervé. Tu es prêt pour cette nouvelle rencontre de Champions C'est League? parti. Ouais, je suis prêt, surtout que c'est bien lancé. C'est le deuxième match avec deux clubs qui vont le gagner, ça Pouette, promet. Et pouette. à l'occasion de cette rencontre, eh bien, nous allons suivre le Borussia Dortmund face à l'AS Monaco. Allez. Et non. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. C'est parti. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez On dense peut à y 5 aller, et c'est un pas un seul attaquant problème. pointe. Le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'AS Monaco. Même schéma tactique pour l'autre équipe. Pierre, ce sera bien un 4-5-1. Oui, les deux entraîneurs ont choisi d'aligner un milieu à 5. Hop, et Autant ben vous dire que voilà. les deux joueurs alignés en pointe vont avoir un sale boulot à faire. Oh. Ah, il donne carrément le Oh, ballon si à elle l'adversaire. passait! Si elle passait Un celle-là. joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Avec 4 buts sur les 3 derniers matchs, il semble être en pleine confiance ces derniers temps. Et oui, Lucas pleine Piszczek. confiance comme vous l'avez dit. On n'a pas la balle, hein. Kagawa. Dirait s'est Allez, libéré. go! Bailly. Bon, ça serait bien qu'on me fasse un jour une petite passe. Une bonne passe aussi, hein, ça serait pas mal. Si on fait des passes de merde, moi je vais pas pouvoir le Voilà, on faire. a compris l'intention, mais c'est Pour un le moment, on adversaire n'arrive hein, qui pas, hein. Oh là récupère. là, Borussia Dortmund. Chaud cacao, hein. Enfin, j'ai ma première balle. Hop là. Bah oui. Bah, je suis tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Attention, ça peut être dangereux. Qu'est-ce que vous voulez que je Oh, il fasse? tacle, mais le ballon est perdu. Oh, faudrait se bouger! Witzel. Christian Pulisic. Pierre, vous me disiez que vous voyez bien un nul à l'issue de cette rencontre. Ah. Oui, je pense que le match sera serré et Allez. puis que les Monégasques peuvent poser des problèmes à leurs adversaires. Alors, juste à vous, je n'ai pas trop envie de me mouiller, hein. Quel Hop. manque de courage. Oui, je sais. Je suis pleutre. Je suis pleutre. Ce truc me fera toujours rire. Je suis pleutre. Et hop. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ah, Ah, le ballon purée. qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Ça va être comme le match avec Saint-Étienne. Ouais, il n'avait pas trop le choix, il a dû se débarrasser du ballon un petit peu comme il pouvait Placement face à la incertain pression de alors que j'ai l'adversaire fait qui alors que récupère ça le a ballon. permis d'avoir On ça. monopolise le ballon d'un Please quoi. côté et dans l'autre camp, bien, on attend. C'est dans le paquet, Wow, ok. le centre un peu raté, et le gardien qui Ok, s'en on saisit l'a tranquillement. oublié cette action. C'est un peu pourrite. Bagel. Kagawa. Ah, c'est une perte de balle. Hop là, et c'est bon, Francis qui est chaud. Le centre à destination de ses Et voilà. partenaires. Ouais, le but, l'ouverture Quand du Francis score, fait 5. n'importe, quand Francis Place fait aux des choses, c'est buteurs, regarde-moi parti. ça. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. Bam! Le gardien qui s'incline. C'est Oui, fait, c'est hop hop franc hop, disponible en pouf centre. pouf, Après, il a fait la corner, différence avec son centre pied. pardon, et paf, et c'est facile, et voilà, plus rien à dire. Et sur ce Francis ralenti, est un c'est BG, un autre c'est angle qui nous est tout! proposé, ça va être intéressant. Voilà! Et c'est l'AS Monaco qui mène. Et voilà! Witzel. Christian Pulisic. Tac. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Tu peux me la donner, hein, c'est pas un problème. Ah, il Ah, fallait pas récupère, me la il est donner, averti tout du compte fait. pressing. Witzel.
Je sais pas combien j'ai de pertes de balles, mais j'en ai beaucoup. Il a vu qu'il avait du soutien. Et c'est moi qui a créé, moi qui a fait le quand même plus important du travail hein, sur l'autre but. Allez. Mais non, mais Falcao, mais pourquoi tu t'arrêtes? Je suis sûr, si ça aurait pas arrêté, il aurait pu le dépasser et la passe aurait été bonne. Bien joué, Sabelle. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Voilà. Ah, il fallait oser hein, quand même. C'est limite hein. C'était dangereux. Placement incertain. Mais putain, mais normal, j'étais par terre. Mais FIFA, mais. Ah, mais ça me donne envie de les taper. J'étais par terre. Que vous voulez que je fasse? Monaco qui mène donc. Seconde période qui débute à l'instant. Et hop, c'est fait. Falcao. Et ils vont me dire perte de balles, voilà, ok. Ah non, mais c'est bon, ça m'a énervé là. Bonne opportunité, attention. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Go. Marco, ok, c'est pas grave. Ah, il s'est déchiré hein, sur ce tir. Non, c'est bien qu'il s'est déchiré. C'est bien. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, ça m'inquiète pas. Au contraire, je suis Alexander content. Golovin. Hop. Falcao. Mais là. Mais là. Ah. Mais non. Mais c'est trop fort. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien joué. Mais non. Pour la récupération du ballon. Ah. Bagel. Monaco qui a attaqué cette phase de groupe de la Champions League. Avec de réelles ambitions, Pierre. Après ce que le club a traversé, ce serait bête de ne pas en profiter. Et c'est parti. Mais non, mais c'est encore trop fort. Mais arrêtez. Je vais rager sur ce jeu. Arrêtez, soyez sérieux. Purée, toutes les actions. Tu aurais pu mener ce magnifique but. Un but de Francy. Toujours pas concrétisé. Parce que ces gens n'arrivent pas. Et hop. Oh. Et en plus, il y a un bug. Pourquoi il n'y a plus de son? Oh là 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 là. FIFA. FIFA. Ok. Bon. Oh, bonne inspiration sur cette passe. Hop. Oh là là. Oh là là. Je demande s'il y a vraiment cru. Yorotilmans. Radamel Falcao. Non, ok, j'étais hors jeu. Votre avis sur le prochain match de l'AS Monaco? Mais. L'adversaire sera le stade. Mais aussi, mais. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1 Conforama. Une rencontre qui s'annonce plutôt tranquille, je pense. Ah. Oh, mais t'es sérieux? Mais même mon joueur, il fait n'importe quoi! Marco Reus. Ah! Pour que cette équipe... J'ai envie de sortir de ce match. J'ai envie de sortir. Oh, mais là, là! À quoi ça sert? Voilà, paf, je suis bon en défense, mais pour le reste, oublie. Oubliez-moi, je suis mauvais. Oh là 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 là, et en plus ils font n'importe quoi les joueurs. Je fais n'importe quoi, tout le monde fait n'importe quoi, ça va plus du tout. Thierry Henry, aide-nous. Oh là là, j'ai cru qu'il allait mettre un but contre son camp. Ouh, le fou. Allez, ça pousse, c'est vrai qu'il ne reste que... En plus, je suis pas bien placé, j'arrive pas à me placer. Mais non, mais... Et ils vont dire que c'est ma faute. Non, mais mec, c'est pas ma faute s'ils font, s'ils arrivent pas à faire des passes. Hein. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Fallait s'y attendre. Hein.
Fallait s'y attendre. Moi, ça m'étonne pas. Et oui! Et oui, Monaco! Et oui, Francis! Et que du caca, depuis tout à l'heure. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et je fais tout là. Tu marques un but grâce à moi. Quoi, comment ça? Il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Carton rouge. Oh, t'es pas drôle, t'aurais dû mettre carton rouge. Normal après une faute pareille. Bon, moi je me retire. Allez, salut. Voilà, ça servait à rien. Mais non, fallait faire une petite reprise de volée, ça aurait plus de puissance. C'est dommage. Encore une occasion ratée. Ah là 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 là. Sur ce coup de sifflet ultime de l'arbitre, deuxième match, deuxième victoire dans ce groupe pour cette équipe. Pouette. Bon, c'est pas mal déjà. Ta. On a fait au moins un petit but, voilà. Enfin, on a fait une passe d'ess. Mais combien j'ai perdu de balles? J'en ai perdu 11. Ah, ça va, c'est pas le pire. Hein. C'est pas, ça va, c'est pas dégueulasse. Hein. Ah, mais je comprends pourquoi ça marchait pas. Pourquoi je l'ai mis en non répertorié? Stupide ça. Hop. Ouais, désolé, je parlais tout seul. Quand je suis sur YouTube, des fois je suis en mode mais pourquoi? Ah ben voilà, comme ça on le voit là. Putain, je suis en mode mais pourquoi on voyait pas? Depuis tout ce temps. Allez, contre le Stade Rennais. Si Pelé, Falcao, Lopez, Bailly, c'est parti. C'est parti. Mon kéké. Avant que ne débute ce match très attendu, la caméra qui s'attarde sur le meilleur, qui pour l'instant occupe Allez. La tête du classement des buteurs et qui va tout faire pour. Mais oui, je vais tout faire. Encore une fois aujourd'hui. Tout faire. Bonjour à tous, je suis en compagnie. Allez, c'est parti. Contre le Stade Rennais. Qui va suivre ce match avec moi. On a fait un match très pourri. Bonjour à tous. Contre Borussia, contre l'AS Saint-Etienne aussi. Oh les mecs, ce que j'ai fait là, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est beau. Hein. Faut que je suis en train de mieux, d'être un peu mieux au niveau des dribbles, un petit peu. Au train où vont les choses, on ne voit toujours pas qui empêchera de participer à la Champions League la semaine prochaine. Il enchaîne par un centre tendu. Parce que c'est pas forcément très bien, mais. Vous voyez, là, c'est pas bien. J'ai encore fait n'importe quoi. Pour cette rencontre, nous retrouvons Monaco face au Stade Rennais, soit l'équipe qui défend le mieux face à celle qui marque le moins. Ouais, bon, en même temps, ce sont que des statistiques. Ah ! Plus faible attaque. 6 buts. Ah ouais, oula. Ah, ça fait mal. Tout contre nous. Meilleure défense, quoi. Bonjour, je suis en poste de buteur là. Et voilà. Premier but, Francy. C'est bon. Ça fait du bien. Ça fait du bien là de mettre un but là, paf. Ah. Le gardien qui ne peut pas faire grand chose sur cette action. J'étais en mode buteur en plus. Qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je faisais là surtout? Les joueurs de la principauté qui mènent au score. C'est ça le plus grave. J'ai aucun soutien. Allô. Non, me fais pas la passe. Antonio Barreca. Je me replie. Ouais, d'accord. Qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. Allez. On voit le but et qui leur permet de mener au score. Hop là, c'est parti. Après le Stade Rennais, Monaco a perdu contre le Stade Rennais 2-1. En plus, c'était chez Monaco. Si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'était chez Bertrand Monaco. Bailly. Elle mène au score, ils font tourner le ballon et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire en Hop. aucune mesure. Hop. Ouais, désolé Falcao. Oh, bah ça va. L'arbitre qui a sifflé. Mais normalement, c'était limite. Et voilà, heureusement que je suis là. Direct Sidibé. Tu peux me la faire. Le défenseur qui contre ce ballon. Ah non, le ballon. Ah, je suis sûr que ça aurait passé. Si ça repassait. Clément Grenier. Ah, ah. Bon, là, je suis en plein MC, même MDC ah, limite. Non, c'est pas très bien joué. Pas très bien joué, en effet. Strasbourg. Oh, mais hier, on a perdu contre Strasbourg. Ah là là, la première de Thierry Henry contre Strasbourg est perdue. Ah, ça craint. Antonio Barreca. La Serge Adli. Hop. Je suis bloqué. Benjamin Bourigeau. Merci. Antonio Barreca. Interception. Et les mecs, simple passe, hein, je bougeais même pas. Attention à la frappe. Ah, ok. Ça passe largement hors du cadre. Mais c'est pas possible ça. Comment on a pu rater ça, quoi? Comment quelqu'un peut rater cette passe? C'est pas encore un très gros club, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Antonio Barreca. Je vais me barrer ce décembre. Si je peux aller à l'Olympique de Marseille, oh, moi, je serais très heureux. Mais moi, je vais aller à Liverpool. Antonio Barreca. Si je suis à Liverpool, je suis très content. Ricardo Goulart. Mon club de rêve, c'est Liverpool. Attention le tir. Ok. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Bon, partons. Allez, vas-y, tu l'envoies là-bas. À quoi ça sert? Comeback. C'est pas grave. Da Silva. Da Silva. Clément Grenier. Et 2 minutes de plus. C'est parti, tu l'envoies. Ouais, allez, Francis, tu cours. Il y a personne. Vous voudrez faire aussi de bonnes passes, Francis. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Légère avantage. De très bonnes passes. Parce que c'est pas normal de rater ce genre de passes. Impressionné par la précision de tes tirs, quel talent, cette reprise instantanée. Ah, c'était une reprise. Ah, d'accord. Le premier ballon de cette seconde période sera rainé. Oh, c'est rare que les gens y ratent. Non, elle est interceptée, cette passe. Hop là. J'étais pas sûr. Oh merde, on s'est gêné. Mais non, il aurait pu me la passer s'il avait. Le décalage qui va sans doute venir. Ouais, la frappe. Ouais, bien joué, je veux toujours tirer. Incroyable. Mais je suis trop perso en fait. Bon, par rapport au but, là, là c'est personnel. Ouais, ça combine. Attention à la frappe. Attention à bon, ce corps bon tir. Cette équipe, l'occasion de porter son avance à 2 buts. Il fait 6 tirs. Le cornet. Falcao, oh, la complicité de la barre. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Oh, il l'a fait dans, sur une angle impossible. Non, mais ça, c'est pas possible. Attendez, mais là c'est le plus beau but de l'année. Juste, plus beau but de la Ligue 1 là. Attendez. Un ballon bien travaillé. On regarde parce que là je suis impressionné. Un buteur qui reçoit l'aide du poteau, on le voit sans ralenti. What? On peut re-regarder? Paf. Ah bah ouais, là on voit rien. J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. De 2 buts mais en tout cas, c'était le bordel. Le ballon, il a fait bing bang boong sur le gardien et sur le joueur. Ouais, en gros, Falcao, il a eu énormément de chance. Peu de bah, ce mais elle était cadrée, c'est ça le pire. C'est dingue. La Serge Adli. Falcao. Faute. Oh, la faute, ouais, il est allé trop fort. Allez, hop. Il risque de prendre un jaune. Mais c'est beau quand même ce qu'il avait fait. Et l'arbitre qui siffle faute. Wow. Carton jaune. Ah, je suis impressionné. Je suis impressionné.
Allez, on la reprend. En position idéale pour centrer. Centre. Oh, ça combine bien. Oh, pas mal. Ouais, excellent. Très très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Ah, je me décale. Un corner, le ballon. Eric Bertrand. Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Un corner qui ne donnera rien. Ouais, c'est pas très bien exploité. Qu'est-ce que c'est que ce tir? Et franchement, waouh. Eh, hey, je suis encore impressionné par ce truc. Hein. Ah ouais. Ah ouais, là, les mecs. Les joueurs seront opposés à Saint-Etienne pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1, Conforama. Mais non, je l'ai. Passionnant avec beaucoup de suspense entre deux équipes très proches l'une de l'autre. Le tir. Oh. Oh, ça aurait pu être son doublé. Oh. En plus, j'ai fait tout ça tout seul. Oh. C'était beau, ça. Magnang. Ouais, c'est un. Allez. Intercepté là par Djibril Sidibé. Falcao. C'est beau. Marcos Lopez. Radamel Falcao. Ici. Merci. La frappe. Ah, mais. Ouais, pas de soucis. Mais. Qui capte bien ce ballon. Zut. Oh oui, encore une bonne passe. Ici. Ouais, toujours aussi précis. Et pourtant, t'aurais pu me la faire. Hein. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouh, alors là. Pour trouver cet Falcao. Angle. Allez, il peut marquer Falcao. Une tête qui finit dans les bras du gardien. 8,6 avec un but. C'est pas mal. Direct Sidibé. Bonjour. L'équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle. Oui, il y avait un espace. Remets-la en derrière. Il prend sa chance. Et voilà. Une frappe en pleine. Et balle. Ça fait mon petit but. Et je suis content. Et voilà. Ah bah 2-0. Et voilà, comme ça tout le monde va dire, ah Francis en fait il est important dans le groupe. Sinon, s'il n'était pas là, ça serait le bordel. Et oui, et oui. Vous le voyez, je suis utile. Je suis utile pour l'équipe. C'est paf. Un gros paf. Hop là. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ah. En plus du but de Falcao. Moi qui en mets un doublé. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Oh, la bonne inspiration. J'étais pas hors jeu. Et voilà, en plus je fais une passe décisive. Oh là 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 là. Non mais c'est bon Francis. Francis c'est un BG. Oh. Mais mariez-vous avec moi. Mais franchement. Mais ouh là 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 là. Mais voilà. Oh là 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 là. Non mais c'est dingue. On voit ce but sous un autre angle. Oh là là. Oh. Oh. Ouf. On dirait que je suis en train de jouir. Il semble prendre un avantage décisif. Oh, c'est dingue. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Allez, 9,5. Très très bonne note. Là, parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. C'est pas souvent que j'en mets des doublés, mais. Pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont. Et voilà, ça c'est un très beau but. Enfin, ça c'est un très bon match. Falcao. Alexander Golovin. Oh mais non, mais Falcao, oh, on s'est pas compris. Pas compris. Pour l'adversaire. Et si tu passais, franchement, ça aurait pu faire passe d'ess. Hein. Encore. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Marcos Lopez. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Oh quel dommage. J'aurais voulu faire une passe d'ess en sort encore. Oui, je veux faire des passes d'ess. Je veux être le meilleur passeur. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. La frappe. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux le corner? C'est pas possible ça. Le corner, le ballon en pleine surface. Oh, mais pourquoi? Mais non, j'aurais pu prendre. Bon, c'est pas grave. 4-0.
Sachant que j'ai fait 2 buts, c'est bien. Voilà. Rien à dire. Et ben nous. On va se retrouver pour un prochain épisode. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. Allez, ciao tout le monde.